Optimus? Oui, Perceptor. Il faudrait que tu viennes voir quelque chose. Qu'y a-t-il? On a un nouveau. Et c'est pas joyeux. Encore un mutilé? Viens voir par toi-même. C'est pas possible. Bumblebee, qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce qu'il nous entend déjà? Mais comment ça parle en jouet un Bumblebee des films? Il doit pas capter la radio. Je t'entends très bien, Optimus, et je parle normalement. Mais... non, non, c'est... T'as mal compris. J'ai... Non, je sais pas ce que j'ai dit. Ne te fais pas de mal pour rien, Optimus. On sait ce que tu as dit. Oui, bon. Que t'est-il arrivé, Bumblebee? J'ai vécu une vie de jouet, et ça n'a pas vraiment été facile tous les jours. Je t'épargne les détails, mais j'ai fini en pièces et assez rapidement. Je me suis retrouvé au fond d'un carton bien vite. Ça doit pas être une bonne situation, ça, d'être le jouet d'un enfant. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ce sont surtout des rencontres. Et justement, tu as bien fait de nous rencontrer. On va t'aider à t'insérer dans cette collection, et même te trouver un corps. Vous pouvez vraiment me trouver un corps? Je ne sais pas, mais je vais chercher. Optimus, est-ce que tu peux lui faire visiter la collection, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci pour lui. Bon, Bumblebee, j'ai un horaire assez chargé en ce moment, je peux pas te faire visiter la collection maintenant, mais je connais deux membres qui sont ravis de t'en faire faire le tour. Suis-moi, je vais te les présenter. Prime? Ouais. Oui, enfin, quand je dis de me suivre, c'est façon de parler. Enfin bref, allons-y. Grimlock, Tailgate, est-ce que vous pourriez vous occuper un peu d'un nouveau? Je tiens déjà à te signaler que je suis King Grimlock, mais tu peux m'appeler KG. Le petit préfère qu'on l'appelle Tail. Je retiens. Oui, bref, KG, Tail, j'ai besoin de vous pour présenter la collection à Bumblebee qui vient d'arriver. Vous pensez pouvoir vous en charger? Mais bien sûr, leader! Ah, Optimus, Optimus, naturellement, oui. Pourquoi pas? Merci à vous. KG, Tail, voici Bumblebee. Bumblebee, voici KG et Tail. Ils vont te présenter la collection. Juste comme ça, Optimus. J'espère que tu te rends compte que j'étais juste à côté, j'ai entendu. Ah oui? Bref, ravi de vous rencontrer. Ouais, pareil. Un plaisir partagé. Je savais pas que Bumblebee était un headmaster. Merci beaucoup de votre aide. J'ai beaucoup de choses à faire, donc je dois y aller. On sait que tu as appelé ailleurs par facilité scénaristique. Mais tu es excusé. J'ai pas tout compris. Laisse tomber. Bon, à plus tard alors. Bumblebee, une question me brûle les lèvres. Et quelle est-elle? Sans vouloir t'offenser, est-ce que tu sais pourquoi Leader t'a acheté? Parce qu'un Transformer un peu incomplet encore, ça peut être intéressant, mais juste une tête. Mais tu vois où je veux en venir, non? Oui, je comprends, mais je ne sais pas pourquoi il m'a acheté. Mais si je vis dans une collection où je m'intègre tel quel, ça pourrait être une excellente décision de sa part. On a une étagère à Titan's Return, si tu veux. Titan Sutern? Ouais, la gamme du Headmaster. Oh, tu vas le vexer, je crois. Bon, pour changer de sujet, Bumblebee, je te propose de faire un petit tour de la collection. Puisque notre animateur ne veut vraiment pas faire ce passage, on va faire une petite ellipse. Comment ça? Mais tu vas voir. Voilà, tu as vu les principales étagères de la collection, et ici, tu as Soundwave. Il croit être bien caché, alors on va faire comme si on n'avait pas remarqué. On va faire ça, ouais. Opération, arrestation, dénomination de l'individu recherché. Power of the Primes, Legends, Tailgate. Motif de l'arrestation, détérioration manifeste du matériel. Soundwave, calme-toi, tu n'es pas du matériel. Et l'arrestation est peut-être un peu poussée, tu ne trouves pas? Motif de la demande, validé. Individu recherché, excusé. Activation du mode de surveillance. Ah, mais il faut pas faire attention, c'est Soundwave. C'est bon, on a compris. On peut continuer. Ne croyez pas que je vous presse, mais je viens de trouver quelque chose qui pourrait plaire à Bumblebee. Ça tombe bien, on vient de finir. C'est parfait. Tailgate, est-ce que tu pourrais emmener Bumblebee, s'il te plaît? Tu as de la place dans ton habitacle. Parfaitement. Je reviens dès que j'ai déposé Bumblebee. Merci de m'avoir emmené, Tail. Pas de problème. Alors, ce tour de la collection? C'était intéressant. Vous êtes beaucoup par ici. C'est plus difficile de connaître tout le monde en arrivant maintenant que si tu étais arrivé plus tôt, c'est bien vrai. Sinon, Perceptor, tu dis que t'as trouvé des corps non utilisés? Oui, j'ai questionné entre autres Jetfire et Willy, et le dernier avait trouvé un carton bien caché où il y a des corps inutilisés parce qu'ils n'ont pas de tête.
J'ai demandé aux Constructicons de ramener ici le premier corps. Des Constructicons? Ils sont incomplets? Oui, il leur manque certaines pièces. Et ne pense pas à prendre Devastator comme corps. On a déjà un Mixmaster. Et si on les sépare, c'est pas pour rien. Ils sont trop dangereux une fois combinés. Ils sont pourtant très sympathiques, même s'ils ne comprennent pas toujours tout. Bref, voici la première proposition qui arrive. Megatron Beast Wars? Sérieusement? Je le trouve trop encombrant et sans doute pas assez articulé. Pourtant, c'est pas trop mal pour l'époque. Mais il manque la plaque qui tient la tête. Si tu avais voulu score, on aurait dû travailler dessus pour que ça soit utilisable. Mais je ne veux pas d'un Megatron qui traîne par chez moi. Les autres choix ne te plairont pas plus. C'est ce qu'on verra. Je t'aurais prévenu. Vous pouvez chercher le deuxième. De mieux en mieux. Toujours pas. J'avais refusé Megatron, mais là, niveau encombrement, c'est pire. Et je supporte mal le chrome. Je m'en doutais un peu. Mais j'ai mieux. Je pense que ça te plaira. Est-ce que vous pouvez emmener le dernier corps, s'il vous plaît? Ah, c'est beaucoup mieux. Tu avais raison, ce corps me plaît beaucoup plus. Il est moins grand que les précédentes propositions. En plus, c'est plus facile de se déplacer en mode alternatif. Les proportions sont bien aussi. Assez élancé, large d'épaule. Je vais essayer avec ce corps. Alors, qu'as-tu choisi? Ah, je vois. Attends, quoi? Un corps d'Optimus? Non, on est déjà assez comme ça, et surtout pour un Bumblebee. C'est que tu n'aimes pas le style du Optimus TFP? Si, bien sûr, au contraire, je le trouve très réussi. Donc, Bumblebee peut le prendre? Bien sûr. Enfin, non, pas du tout. Bumblebee avec un corps d'Optimus, c'est du jamais vu. Je ne vois pas le problème. Mais t'es Bumblebee, je suis Optimus, on n'échange pas nos identités physiques. Optimus, arrête ça. Bumblebee a besoin d'un corps. Il va tester celui-ci, et tu n'as pas le droit de t'y opposer. Voilà, ça devrait être bon. Essaie de bouger un peu. Excellent. Est-ce que tu peux te lever? Voilà qui va beaucoup m'aider. Merci, Perceptor. Tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu avais accepté aussi rapidement de transporter Balbi. D'habitude, tu refuses ou tu fais au moins semblant d'hésiter. Est-ce que tu serais malade? Non, t'es pas le seul à réfléchir. Plus j'acceptais rapidement, plus vite on était débarrassé de la tête à promener. Vous parlez de moi? Non, Optimus, on parle de Bumble. Balbi? Oui, c'est bien moi. Perceptor m'a enfin trouvé un corps. Dites-moi, qu'en dites-vous? J'en dis que c'est très saillant. Ouais, comme il dit. Merci. En tout cas, je ne devrais plus avoir besoin de déranger qui que ce soit pour me déplacer. Mais ça faisait longtemps que tu étais dans cet état. On ne se rend pas bien compte du temps qui passe lorsqu'on est dans un carton sans pouvoir bouger. Mais je dirais quelques mois, peut-être quelques années. Sachant que je ne suis ici que depuis à peine 6 mois, j'ai du mal à imaginer que l'on puisse passer tout ce temps sans rien faire. Mais peut-être que Telgate le sait, lui. On nous a dit de pas spoiler ici. Ah oui, pardon. Ah, tu dois être heureux de pouvoir enfin bouger de nouveau à ta guise, Balbi. Encore plus que tu ne peux le croire. Je vais profiter de ce corps maintenant, ça me fera du bien. Amuse-toi bien! C'est pas comme si on avait autre chose à faire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Optimus? Tu te promènes pas en camion à l'intérieur, d'habitude. C'est parce que ce n'est pas Optimus. Bumblebee? Avec un corps d'Optimus? Mais qu'est-ce que cette putain d'histoire? Tu peux pas rester juste Bumblebee, s'il vous plaît? Wow, calme-toi, Jetfire. C'est bien Jetfire. Ouais, c'est ça. Explique. Pour faire court, je suis arrivé ici sans corps. Perceptor m'en a trouvé quelques-uns et celui-ci était le seul qui me plaisait. En attendant d'avoir un corps plus approprié, j'utilise celui-ci. Ah ouais, c'était pour toi qui m'avais demandé si j'avais vu des astis de figurines sans tête quelque part, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est les armes et rien d'autre. Je vois ça. Je peux t'aider? Soit tu sais fabriquer des armes utiles dans une collection de jouets à partir de ce qu'on a, soit tu utilises les roues de ce corps trop bien pour toi pour aller me chercher Willy. Je vais chercher Willy. J'ai oublié de demander, je dois chercher quel Willy? Y'a qu'un calice de Willy dans cette collection, un petit orange qui parle bizarrement. Merci, j'y retourne. Est-ce que vous avez vu Willy? Petit orange qui parle bizarrement, d'après ce qu'on m'a dit. Par là-bas? Merci. Willy? C'est bien moi, je suis Willy. Et toi, dois-je t'appeler Bumblebee? Oui, s'il te plaît.
Jetfire te demande, il a besoin de toi pour travailler sur des armes. Je te serais gré d'être plus discret. C'est un sujet qui ne doit pas être ébruité. Comme tu voudras. Jetfire est dans une des pièces de recherche. J'y vais sans attendre, sinon il va me pendre. Oh, c'est un peu extrême comme réaction. Mais ça colle bien avec ce que je sais de Jetfire pour le moment. Alors, ce corps, tu en es satisfait ? Il est très bien. De toute façon, on ne pouvait pas faire pire que rien, et je pense que les deux autres corps auraient été moins pratiques pour se déplacer. Rampage a bien un mode tank, mais il reste bien trop encombrant. Si Optimus était là, il te dirait que tu avais pris le meilleur corps avant d'essayer de te convaincre de ne pas l'utiliser. D'ailleurs, je ne l'ai pas revu depuis que j'ai ce corps. Ne t'en fais pas. Il doit juste t'éviter pour ne pas avoir à avoir ta tête sur le corps d'un de ses homonymes. Il aurait du mal avec d'autres, mais avec toi, je pense que c'est pire. Ce n'est pas contre toi, simplement le personnage que tu représentes. Je ne pensais pas que mon personnage en était rendu là. C'est vrai que ça n'aide pas vraiment de rester enfermé sans nouvelles de la franchise pendant une longue période. C'est vrai. J'avais une question à te poser. Demande donc. Jetfire voulait que je trouve Willy tout à l'heure. J'ai demandé à plusieurs membres de la collection que j'ai croisée, et il y a très peu de Decepticons. Est-ce que nous sommes divisés ? C'est une longue histoire. Il y a bientôt 4 ans, avant que je n'arrive ici, un Mégatron est arrivé dans la collection après avoir passé toute sa vie chez un enfant. Il ne connaissait pas le principe d'acceptation des autres camps. En fait, il agissait comme un Mégatron. Je t'épargne les détails, mais il a mis l'ordre de la collection en péril. Après quelques blessures infligées à des Autobots et plusieurs d'entre eux enfermés à divers endroits, un camp, mené par un autre Mégatron, a réussi à démanteler l'équipe Decepticon et arrêter le Mégatron fautif. Lorsque l'équipe du Mégatron Amical a été jugée coupable de crimes contre la collection, celui-ci s'est exilé avec lui, et les Decepticons intégrés à la collection l'ont suivi. À présent, tous les Decepticons qui avaient suivi le Mégatron dangereux ont été relâchés, leur chef compris. Ils ont néanmoins rejoint le Mégatron Amical. Les Autobots comme Decepticons plus nouveaux sont libres de se déplacer d'un camp à l'autre, mais la scission entre les membres plus anciens est toujours présente. Optimus n'aime pas en parler. Déjà parce qu'il en veut aux Decepticons d'avoir mis la collection en danger. Ensuite, parce que ce sont aussi des Decepticons qui ont libéré la collection. Son ego l'a très mal pris. Ça a dû être très dur pour ceux qui étaient là. Ça l'a été apparemment. Si je comprends bien, il n'y a plus de conflit en ce moment. En effet. Tu l'as bien vu, la collection est assez calme. Les Decepticons arrivent généralement seuls, donc on peut leur apprendre à voir au-delà du personnage qu'ils représentent sans trop de problèmes. Et la séparation des deux anciens camps permet de ne pas avoir à craindre de tension. Donc Jetfire n'a aucune raison d'essayer de faire des armes. Pardon ? C'est pour ça que je suis allé chercher Willy. Jetfire avait besoin de lui pour travailler sur des armes, apparemment. On lui a déjà interdit de faire ça. Depuis la scission, l'accès aux armes autres que celles que notre collectionneur nous laisse est réglementé, et Jetfire ne respecte pas sa restriction. Où est-il ? Dans une salle, près de celle où tu m'as donné ce corps. Merci. Je vais résoudre le problème, je reviens. Ah, voilà le collectionneur. Optimus, avec la tête de... Mais j'avais pas fait ça. Il est encore venu pendant que j'étais pas là. Bon, désolé, mais je dois vous séparer tous les deux. Je viens de vendre cet Optimus incomplet. Bumblebee, c'est pas encore aujourd'hui que tu auras un corps. J'ai reçu un colis aujourd'hui. Enfin, nous avons plutôt reçu un colis. C'est quelque chose qui fera plaisir à l'un d'entre vous. Viens là, toi. Il est parfait. Voilà. C'était un corps pour Bumblebee.